Mais il va bien falloir là. D'abord, merci à ceux qui sont partis. Ça fait toujours plaisir. On peut commencer par la mama. La mama. Ouais, j'étais mouillé et pressanté. Et comme les mamas sont pas là, je pense qu'on peut la garder, mais... Y'a quand même une petite problème. Oh, la plomberie. Non, la plomberie, y'a un gros problème. La plomberie. Tant que la qualification ne soit pas au rendez-vous, quoi. C'est fondamental pour une montgolfière. Sans plomberie, pas de gaz. Hein. Et sans gaz, c'est un gaz, quoi. Ça ne marche pas. Tu vois, celui qui voulait souffler dans le gaz pour le faire monter, mais n'importe quoi. Alors lui, c'est vraiment un excès de... C'est une démence. La démence est en lui. La semence est en lui. C'est un peu le gorille, en fait. C'est le gorille, mais c'est le gorille. Le gorille, il y avait le vrai homme, celui qui croyait être vrai. Ouais, il va le faire du mal. Moi, je ne veux pas. Hein. Je tiens au moi, quand même. Hein. Et toi aussi. Hein. Après, il y a l'autre, il est mourant, hein. Moi je dis. C'est pas grave, hein. Maintenant ou plus tard, c'est pas très grave, hein. C'est pas la souci. On a envie de lui appeler, on a parlé, Jacqueline. Oui, moi je dis l'Italie, c'est l'huile d'olive, mais c'est aussi la parole. Et si on n'a pas la parole, si on est. Voilà, on est écrivain, voilà. Moi je ne comprends pas. Hein. Et pour finir, la moustache. J'ai pensé que la moustache manquait pas mal de fois. Oui, c'est quand même la variable d'ajustement principal du poids dans une montgolfière. Si personne ne peut se couper la moustache. Et le proverbe italien. Ah, le proverbe italien. Oh. Il peut dire le proverbe italien. Je ne sais pas. Le proverbe italien, le seul que nous avions cherché, celui qui pourrait dire avant de venir. Je ne sais que plombier, hein. Un homme sans moustache, mais comment? Une femme avec moustache. Merci. Merci à vous deux. Et maintenant, c'est au tour de Maître Gims de... Attends, tu vas rappeler. Maître Gims, tu disposes de 5 minutes. Non, mais non. C'est pas 5 minutes. 3 minutes. 2 minutes. C'est pas assez pour tout ça. C'est sacré. J'ai fait ce que tu veux. Ah, c'était ça. Bon, déjà, ça me fait plaisir. Le blédard, out. L'animal, out. Maintenant, j'ai quand même des gros cas à Saint-Denis. Je crois que je vais commencer par le papy. Finis tes phrases. Petite majuscule au début, point à la fin, comme sur tes livres, tu vois, mais en parlant, avec des mots. Et après, quand je fais une blague, tu rigoles quand je la fais. Genre pas. Donc ça, toi, c'est bon. Maintenant, les deux petits frères, je vais dire pour après, parce que là, c'est très bon. Très bon. Quand je suis monté dans la montgolfière, moi je voulais voir de la Zouz. On est là pour voilà, pour zouker, tout ça. Et là, Béatrice. Il y a une certaine chanson qui s'appelait Belle là, mais elle n'est pas belle là. Elle n'est pas belle et en plus. Il y a une voix de canard mouillé. Comment on fait? On discute tous les deux que je t'apprenne à parler bien. Peut-être que tes cousins ils peuvent t'apprendre, mais j'ai pas envie de dire. Par contre, les deux petits frères qui sont là, il est trop vieux. Je vais plus les voir dans la montgolfière. Ils sont italiens et les mecs parlent espagnol quand même. Je sais pas si vous voulez vous préciser, donnez-leur quelques mots quoi, parce que y a un problème, les gars, il y a un problème. Et puis, la moustache, elle est où? Les poils, ils sont où les gars? Et puis, bon bah,
C'est temps de faire la comédien. Des pompiers, des moustaches, tout le temps ensemble, passer ensemble. Le mariage existe. Pour la vie. Chez Nicolai, on passe en Alsace chez les Dubenois, et là, l'Italie c'est trop loin, on peut pas. Mes cousins ils habitent pas là. Donc, moi c'est simple, plombier, un peu la plèbe, voilà. Donc, voilà. Après, c'était touchant ce témoignage, non hein en fait, je me rappelle encore de monsieur Curie qui me disait les enfants accueillent la différence. Ces personnes qui ont des familles encore plus nombreuses que les cathos. Voilà, accueillir. Donc moi, jamais, je n'ai ma propre, jamais je traiterai quelqu'un par-dessus. Mais par contre, je sais pas, est-ce que tu m'aimes? J'en sais rien. Est-ce que je t'aime? C'est un dernier cas de pacte sentimental. Pacte de penser à mon cousin. Donc il y a un peu de hub en toi. Et ça sent, toi que tu cherches des mots, on dirait que voilà, t'es avec des propulsés 200 ans plus tard. Moi, je te garde de cœur, quoi, mais physiquement, faut que tu partes.